Pour le rowing buste penché main en supination, je vous demanderai de conserver un dos plat le plus possible. Si le buste se relève, c'est que la charge est trop lourde. Je vous demanderai aussi de garder une isométrie d'au moins une seconde pour contracter les muscles du milieu du dos en position haute, de ralentir la descente sur 2 secondes et de ne pas utiliser les jambes, y compris sous la fatigue.